messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore très ravi d'être devant vous et je vous dis merci pour vous qui avez choisi quotidiennement de me suivre. Je suis encore vraiment très ravi de voir beaucoup de messages sur l'émission que nous avions fait hier et que beaucoup de gens ont accepté et vous aviez beaucoup mis de j'aime. En tout cas, cela nous fait vraiment et grandement plaisir. Vous êtes nombreux à nous suivre aussi en Ouganda. Vous êtes nombreux aussi à nous suivre en Tanzanie. J'ai un fidèle qui est à Dar es Salaam et il s'appelle Jérôme. Notaire, je ne sais pas. Ça, c'est un sobriquet. En tout cas, merci beaucoup et j'ai bien reçu ce que vous aviez envoyé. Et je ne cesse de vous envoyer de messages, vous ne répondez pas pour acquérir réception de tout ce que vous m'aviez envoyé. Alors, il y a encore aussi des amis qui sont en Belgique et qui sont même au Canada, au Royaume-Uni, qui nous parlent, qui nous corrigent. En tout cas, je prends en considération tout ce que vous me donnez comme recadrement de notre émission. Ça, c'est une plateforme. J'ai une petite difficulté ces derniers temps, je peux vous le dire, pour recevoir les gens parce que, et pour faire des émissions en direct. En tout cas, nous ne sommes pas en direct sur Facebook et sur YouTube. Nous faisons des rediffusions. C'est parce que nous avons des problèmes techniques et que nous pensons que dès que nous les résolverons, nous commencerons encore à faire le direct. Donc, vous pourriez nous suivre directement lorsque nous faisons l'émission. Mais sinon, nous enregistrons les émissions et puis nous les mettons sur YouTube et puis sur Facebook. Mes chers amis, la politique de notre pays est en train d'aller dans une période où il y a, on ne sait pas exactement. Nous avions dit ici que la racine de toutes les choses commence par la Constitution. C'est même le bien de cette émission, le sujet même, général, le pourquoi de cette émission que nous avions créée ici à Contact Pro Live. Bandeko, Constitution de Ezali Racine à Biloko Nyonso tout. Alors aujourd'hui nous allons parler la Constitution vis-à-vis des politiques, la Constitution vis-à-vis du peuple congolais, la Constitution vis-à-vis de l'armée. Ça, ce sont les trois composantes. Comment est-ce que les gens ne respectent pas la Constitution? Pourquoi est-ce que nous ne respectons pas cette Constitution? Mabe et Outi Wapi. Est-ce que Mabe Angoyo Tozo Kolisa ou bien Tozo Kolisa Bolamu Nakati Ambo Kanabiso? Nous allons réfléchir en tout cas sur l'application de la Constitution sur le peuple, sur les politiques, dans l'armée et comment est-ce que nous pouvons obtenir cette application. Est-ce que Mboka Nabiso, Mboka Likondi Nabiso, Ezali Nangona Valer Lissousou ou bien Tokoki Kotika Yango comme Batoum Soussou Bazako se réveiller d'un bon matin? Il se permet de violer la Constitution à l'obinaye, tous ces propos qui tendent à négliger l'application de la Constitution. Nous allons en parler. Pourquoi ça et outi wapi? Mabe outi wapi? Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, dossier Bukangalonzo, le DG de Peseco condamné à 10 ans de prison pour détournement. Puis RDC toujours, Sama Lukonde a posé la première pierre de la construction du nouveau bâtiment du ministère de la Défense. On va sur actualité.cd, RDC CENI, au-delà de blocage de tout le monde, voit, même en parle, il y a des présentateurs politiques. Aux Nations Unies, Félix Tshisekedi dit consacrer toute son énergie pour éradiquer l'insécurité afin d'organiser les élections en 2023. Congo profond, les élites provinciaux renforcés en connaissance sur le mécanisme des droits de l'homme à l'ONU. Et puis, Mai Ndombe, messe d'action de grâce en mémoire du martyr de l'île de Prince. 7 sur 7.
L'inter contre Kabila à la CPI, c'est un scénario qui ressemble à l'acharnement. Félix Tshisekedi dit l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. Et puis on termine par Radio Okapi, Sud Kivu, l'ex-chef rebelle Chance Muyonya est coupé de la perpétuité en prison. Malgré 18 ans d'embargo, les armes sur qui le FARDC et pays voisins indexés. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, l'actualité est prédominée par le discours du président de la République, Bandeko. Il y a Ndeko Mokwa Utiko Benangaka Sikona Tongo Atuningai. Qu'est-ce que je pense? Est-ce que je peux justement ouvrir une parenthèse? En tout cas, je voudrais vous en parler demain. Mais d'emblée, je peux vous dire que Naruyoka Kikaka discours, comme Tshisekedi, il fait toujours ses discours. Je ne crois pas qu'il réalisait qu'il est à. Il est à une tribune de l'ONU. Il est parti là-bas comme, je ne sais pas, je vais vous en parler, je vais faire des commentaires demain dans l'émission. Aujourd'hui, parlons-en un peu de notre constitution. Bandeko, constitution d'abord, c'est quoi? Les gens, moi je ne suis pas un analyste, mais totalement toza koloba, pays des droits, l'état des droits. C'est-à-dire les droits ezana elo komoko e komami batu ba komi ango et puis batu baza ko constituer que droit wana ndeza eza ko kamba biso nyoso tu eza la président de la République eza la mungamba nyoso ya mboka na biso akotalela akozo sala likambu nyoso azo sala musala en fonction ya constitution na constitution ya mobeko na biso ezali bandeko. Na kwa hiko pesa bino historique ya mobeko na biso te. Awa, totala nanu, qu'est-ce qui se passe le politique avec la constitution? Nazala ki, pourquoi na décida ki nasa l'émission oyo? J'étais dans mes recherches na koutani na à peu près 3-4 politiciens. Batu oyo baza ko loba liboso ya batu. Donc, baso pesa ba message. Des acteurs politiques qui vont à l'encontre de ce que nous avions dit. D'autres défendent la constitution. Baza Kolobanini. Oh non, bon. Biso procédure électorale est allé bisoté. Donc, Makambo y a de père et de mère, Zanango na tina te, tout ça, Mboka Ezali, constitution, Tobo Yango, Tondimi Yango te. Donc, toute cette cacophonie est entretenue par les politiciens eux-mêmes qui ne veulent pas respecter la constitution. Ce qui constitution na kokoso, comment est-ce que nous pouvons corriger ça? Batu mingi bazako lobaka ka ba mabe oyo bazako constater na constitution et puis va profiter na yango na kotia désordre parce que ça profite des ordres on ezako profiter na bango surtout dans le politique au sein même de politique. Bandeko, mboka na biso eza 80%, 95% kutu, dirigé par les politiques. Ba politicien de mtu baza ko kamba mboka oyo. C'est pour cela que vous allez dire, vous allez voir que, oh, bato bazo kene na gouvernement, ce sont des politiciens. Bato baza na parlement, ce sont des politiciens. Bato baza na cour constitutionnelle, ce sont des politiciens. Bato baza bako kende na CENI, ce sont des politiciens. C'est pour cela que vous allez entendre que non. Bato msusu baza koloba, surtout les politiques, bazo loba, il est impossible que non CENI ezala politisé, ezala dépolitisé. Donc, la CENI, c'est une composante de la politique. Les politiciens ont attiré la CENI vers leur côté Bandeko. C'est ça le problème. Mais qu'est-ce que dit la Constitution? Constitution, autant que tu le dis, et ça là, et le dis, n'est-ce pas? Constitution et le dis, CENI est la composante qui a appuyé pour la démocratie. Donc, et ça qui a créé en dehors des politiciens. Les politiciens ne sont pas les plus. Comment est-ce que yo mutoza ko organiser ma élection? Okoki kozala yo moko lisusu nde oza juge yo moko ne mutoza oza makambu nyoso. Et ça et okoki kosa le maté. Moi je crois que même la justice ezalaka kor moko oyo ezako rendre jugement ya peuple. Le juge c'est un peuple mais kor wana
Ezatan osa juge devant peuple osa sala musala, eza musala. Mais vous ne pouvez pas être politicien en même temps, toi-même tu dis que non, toko sala mibeko. Non. Laissons la politique aux politiciens, laissons le jugement, les juges. Bazala na ba juge bazala. Batala bino ba juge bino. Parce que si la justice est incorporée dans la politique, mbilinga mbilinge ko osala kaka. C'est comme ça que nous voyons que bah, Makambo est un peu bien tel, parce que la politique a prédominé tous les secteurs de notre vie. Secteur nous sont politiciens comme ikuna. Et comme quand on a entreprise à l'État, c'est politisé. Bah, politicien kaka. Même moi, j'entendais même depuis Kala, tant que Zala qui bana mike, okoyoka tant parce que Tozako kende papa nanga Zala qui médecin inspecteur. Baza koloba, pour être un administrateur du territoire ou bien gouverneur, ezaba fonction politico-administrative. C'est cela où est arrivé. Ne place penza makambwana et outaka makambwamabe. Donc, on peut nommer quelqu'un comme un administrateur de territoire qui n'est pas même rodé sur l'administration, qui ne connaît pas makambo administration. On peut nommer quelqu'un un ministre. Moutouana azana ministre à santé, mais ayebi makambo santé azana médecin té. Vous comprenez? Et ça va bilo kwana nde e bébi sambo cannabis. C'est comme ça que nous disons. Notre constitution aujourd'hui, ezali ya ko refaire. Ezali ya ezana ba koko so ebele parce que est-ce que yango moutou ezana à la base que politique et prendre ba makambo nyonso tout ou bien ezali ezakaka erere kota. La question est là. Mais la réponse pour cette question, c'est quoi? C'est que nous devons nous mettre d'accord. Bandeko, Soki Botali, par exemple, quand Mobutu est venu en 1965, à Béti coup d'État, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où Tokoki ko avancer les sous-sous. Il faut un coup de force pour que Tobande la Makambo est belé, Tobande la moto tient ensemble. Mobutu est venu en disant que notre Makambo n'a pas politique, on a tout dit qu'on a tout bon samboka. Tous à la disanga, moko tout bon samboka. Et il a imposé une loi. Makambo est à cause de la Mali. C'est parce qu'il y a un certain moment, politique est comme une place au moyen. Moi, je continue à faire avec ce que nous avons. Nous trempons dans les vices, la corruption, banini. Alors, les politiques sont capables de faire des. Les politiques ne savent plus donner des solutions pour la reconstruction de ce pays. Alors, il faut qu'il y ait un autre ordre nouveau. Il faut être à l'ordre nouveau. L'ordre nouveau, sika o ekokota. Pour que Batouma se remette d'abord en question. Makambo ba parti politique, bien sûr que Zali bien, mais est-ce que tu commis Nango wapi? C'est comme ça qu'en 65, coup d'état salé Maka. Makambo, oh, ce so qui guerre à l'est, et ça, et Bandaka. C'est parce qu'à un certain moment, Bilo Kambo, comment qui s'y koyo? L'État unique, donc parti unique, on a un père comme qui n'a souka nango, Mobutu a commis, Nzela on a que Azwa qui est commis n'a souka, donc moi je vois solution, et ça là qui est sous-souté pour la Kobongisamboka. Donc comment qui est de tozo zinda. C'est ainsi même le problème aujourd'hui. Le pays ne se relève pas, c'est pour cela nous disons que to commis n'a moment moko oyo, nous devons avoir un changement. Alors, la constitution devant le peuple, peuple a kosa la ndengeni. Le peuple, c'est le peuple souverain. Peuple souverain, à un moment où, pour éviter que le coup de force et à kodeza, et à kosa le mababilo kwana nyoso, et à kosa, imposer ordre nouvelle, ou et kop tangisa makila, ou et kop panzamboka, il est grand temps, c'est que nous, les Congolais, le peuple congolais, vis-à-vis de notre constitution, que nous puissions. Le peuple est à là. Le peuple est en train d'attendre un messie aujourd'hui. Population, le peuple congolais, ils ont la confiance dans Tshisekedi, ils ont la confiance dans l'armée, ils ont la confiance dans. C'est la même chose en 1996. Tant que il y a invasion à l'Est Bandaki. J'ai dit que à l'Est de la République démocratique du Congo, tellement que ma massacre Zali, il n'y a plus d'espoir, Bandeko. On n'a plus d'espoir de voir demain.
Batu baza kola la bazo ye bateke bakola mukando yeni telobi. Alors, lorsque un régime arrive à son paroxysme, en principe, donc naturellement, ekokoe. Pour que ton bongisa, qu'est-ce qu'il faut? Et là, on a une photo ça la poto bongisa. Parce que l'armée avec la politique, l'armée ne respecte pas la constitution. Le peuple est en train de se. Elle ne sait plus là où c'est voué. Bah, politicien a biso va trahir biso. L'armée n'arrive pas à être sécurisée. Désordre et ça n'a qu'à y avoir secteur nyoso. Corruption est comme une paroxysme na yango. Batuba komi kosanga solution ko uta wapi. C'est là la question. C'est là où nous sommes. Pour solution, espoir ko uta wapi. To sambeli na ba église baza koyoka na te, tout ça. Tout est. Yango na loba kilobi nobi, toutes les lampes. Il y a division en boka oyo et ça en vert. Mais nous tenons vraiment à quelque chose que tous en a singa moko ka tozo tenir kaka nzambe kaka. Et c'est le moment ici où va chambardement au yaka. Na ebisi bino si y a un homme fort qui peut se lever au tata na mbanda ka au ta place nini soka koza la fort. A quoi ici kaka région moko pe a proclamer lobi te biso to se proclamer awa toke na balkanisation ba tumsusu ba ko suivre yango parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne rassurent plus le peuple congolais. Et c'est cela où je me dis, Batou Bazako Kambabiso Lelo, il est grand temps à Kolobake. Non, non, nous sommes dans l'erreur. Il faut que Tobanda, Totelemanan, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour Tokeneliboso? Allons-nous continuer dans cette cacophonie de cette politique qui nous dirige? C'est ainsi ma solution, comme toujours, Nazosu Kisa Awa. J'ai toujours dit, solution na biso eza kaka moko bande. Nous n'avons qu'une seule solution à nous, à reconnaître que non, nzela totzui eza nzela malamute. Le peuple doit se prendre en charge. Bandeko, il n'y a pas d'autre solution na ndenge otozali. Comment nous allons y arriver? Eza te parle à Kolobaka que non. Nous décrétons l'état de siège. L'état de siège, c'est comme ça. On parle et puis on pense que les lobans et que ça, on ne met pas d'efforts. On ne prépare pas le pays. On ne construit pas. Bandekotoko construit kaka na foi mokoboy. Une foi sans œuvre. Parce que nous avions dit que non, l'état de siège est là que pende et que ça. Nous devons apprendre à nous prendre en charge, Mbandeko. Ce qui nous a mis à l'obaki, que nous avons besoin, djembe, comme on dit en swahili, là où aller cultiver la terre, vous ne les cultivez pas en disant terre, cultivez-vous, je veux que vous me produisez. Vous prenez là où, vous commencez à cultiver les actions, les actes. C'est ainsi que moi je dis. Si nous ne mettons pas les actes, qui vont à la récolte? Si nous ne plantons pas les actes maintenant,
qui vont annoncer la reconstruction de ce pays, nous allons tout droit dans l'affaire et dans la division. Et nous ouvrons la grande porte de la balkanisation de notre pays. Il est grand temps parce que tout... Ozala na Kasumbalesa, Ozala na Mobayimbongo, Ozala na Bakongo, Ozala na Aru. Le Congolais est en train de pleurer. Et si Kamo Koto Okuta Keno Batwazana Kimia, c'est pour cela que moi je disais que non. Nous, le Congolais attend un Messie. Ils attendent quelqu'un pour venir les délivrer. Et cette personne-là peut être justement le président de la République actuelle. Le président de la République actuelle, oui, messieurs, je vous dis, mes chers amis, je vous dis que le président actuel a le pouvoir. Il peut encore convaincre le peuple congolais en leur disant « Remettons-nous au travail maintenant. Tobantos salamoussala. Mettons-nous au travail pour reconstruire le pays. » Il va le faire comment? C'est le pourquoi de cette émission, le pourquoi de réveiller la conscience même du... Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais se dit si le président de la République d'aujourd'hui, le président Félix, continue à faire croire aux Congolais que salut na bango ko uta kalibanda, c'est là le grand problème parce qu'il va continuer sur le même lancé et il n'y aura pas de changement. Si le président actuel pense que non, le Congolais doit construire son pays, c'est là où le changement viendra. Le peuple congolais devra le suivre et leur dire que non, Bandeko, toi espérais que non, bah investisseur, bah quoi, comme ça, les locaux, comme sous-bout. Il faudrait que les investisseurs puissent venir nous chercher. Ça doit être comme ça. Nous devons préparer les champs afin de mettre les graines qui va. Champs n'abîment pas, ils allent bien. Ça va nous avancer à quoi? C'est ça le système qui a toujours été. Aujourd'hui, nous disons, salut à président de la République, et ça, Koyebi sa Congolais, vous êtes responsable et je vous donne cette responsabilité. Ne venez pas crier à moi que non, c'est le président qui doit intervenir, c'est le président qui doit faire ceci. Parce que l'engagement à Congolais Nyonso, ils allaient dans l'administration, ils allaient dans le territoire, ils allaient dans la zone. Okoyo araba lobe a toze la kamo konzinabi soya kosa. Non! Ce langage-là doit arrêter et c'est le président qui doit lancer à Koloba. Ngaïté, ezabiso nyonso. Ce qui me sont tout aux indi, tout aux inda. Mais ce qui me sont tous aux sali, moussala, tout aux sala, moussala. Ça se fera comment? En responsabilisant justement la base. Bandeko, oyo ya IDP, so bazako ben angaï, bakamakambo, abasa 45 territoires, comment ça peut se faire? Je vous l'expliquerai. Il faut que tu rétrocèdes pouvoir na katia bazone, na ba territoire. Il y a moyen de le faire. Ne venez pas nous dire ici que batouana baza bazo baté. Il y a moyen de le faire. Il faut rétrocéder le pouvoir même jusqu'au quartier Nakati Abaville. Il faudrait que Congolais aille ba ko contrôler Niniango. Mbongo oba pesi awa. Et ça le moussala nini. Il ne faut pas tout le temps attendre qu'un monsieur quittera l'IGF à Kinshasa pour venir contrôler Olualaba. Ou bien que le contrôler na Bukavu. Non. Le peuple congolais doit se prendre en charge. C'est ça la signification. Bandeko, constitution, il faut et komama par le peuple congolais qui saura l'implémenter. Parce que Yemuto à cause là, donc gardien à constitution. Aujourd'hui, vous parlez de constitution. Bon, d'autres personnes se disent Ezo Lobanini. Mais lorsque vous allez mettre les gens à écrire leur propre histoire, à le mettre ensemble, il y a moyen. Et je suis convaincu que Elo Kwana. Batu oya IDPS bazako bengangai, je vous dis que ngana za ko répondre bino. Que likamwane kokiko salema, il y a moyen de le faire. On peut doter les territoires de pouvoirs qu'ils exerceront et qu'ils pourront dire que mutute akokoya ko salela biso makambo to lingia wate. Mboka na biso za biso mboka na biso toko protéger ngo biso na bana na biso et puis nos arrière petits enfants. Dès que nous arriverons à ce niveau là,
Mboka Mobimba ekotambola kat. Nous allons nous respecter tout et chacun de nous. Les jours où Bakasaye ba okendo teka bunga na Équateur. Équateur elobe a bunga o euti Kasaï. Nous allons nous respecter. Mais les bois qui construiront les bancs des écoles du Kasaï qui viendront de l'Équateur. Et puis Bakasaye ba lobi a baba oyo eza ko uta na izine moko ezala kana mobayimbongo na Équateur. Nous allons nous respecter. Mais tant que cela n'arrive pas, tokozala kana milinga milinga. Merci en tout cas pour m'avoir suivi. Je vais vous demander encore une fois de plus de vous abonner encore. Continuez à vous abonner, mes chers amis. Continuez à laisser le message. Nous sommes en train d'arriver quelque part. Je suis très content. Tant on a 20, 30 abonnés, bah, côté, malamoko, ezo pe sanga bien. Na yebi ke ba tebele balanda nga me ba sabona kate. Nous arriverons. Abonnez-vous. Eza prenza façon moko ya ko encourager nga ya ko apporter soutien à bino la chaîne Oyo. Merci beaucoup, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.